Et aussi, Libon qui m'a précisé hier, tu as un qui propose une fausse nouvelle concernant un éventuel lockdown et supposément tu peux instaurer l'état d'urgence. Fin fait beaucoup du tort au pays et la population fin aussi pris de panique et de frayeur. Et c'est grave dans le contexte actuel. Pour propager une fausse nouvelle comme ça, surtout sur la toile, les finales au Facebook, le WhatsApp, bref, les réseaux sociaux. Et c'est très grave, comme on peut dire. Et un dimon fait sa qualité fausse nouvelle, faire ça, propager, servir un moyen informatique ou télécommunication, autres pétoms sous une infraction sous la section 46 de l'ICTA, Information Communication Technology Act, et autres passibles d'une amende qui ne dépasse pas 1 million et une peine d'emprisonnement qui ne dépasse pas 10 ans. Et là, l'heure qui m'a fait cause à où, bon, hier, nous tiennent déjà un suspect qui s'est arrêté, puis l'interroger longuement. Et puis, dans la soirée, il finit autorisé pour rentrer au lit. Toutefois, il reste à la disposition de la police pour l'enquête. Et ce matin, celui qui s'est recherché, en l'occurrence, ce habitant de Quatre-Bonnes-là, Maître Akilbi, c'est ça. Il finit arrêté le Central CID, il est accompagné de son avocat, Maître Haché Arangui, et là, sous interrogatoire pour commencer, et m'ont précisé qu'il est en état d'arrestation. Et ça, c'est concernant la situation, hein, et surtout, ben, petite chose qui finit mettre le pays en émoi hier.